in your face, all over the place. We're online 24/7. You're listening to the hottest internet station. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. 5, 4, 3, 2, 1. Away. Here's Irving with the alley.
parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radioof.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame Basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. Basketball, c'est mieux à la radio. Quel que soit votre pays d'origine, quel que soit votre pays d'adoption, vous êtes unique en soi. Et c'est cela qui fait la différence. C'est cela, être 237. We are 237, la marque de ceux qui font le choix de l'estime de soi. Être qui vous êtes, ce n'est pas un dogme. C'est être fearlessness. C'est votre choix qui compte. C'est cela, être 237. Retrouvez tous les produits de cette marque sur le site internet www.weare237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Vous êtes fan de basket? Encore mieux, vous êtes un mordu de NBA. Vous cherchez un stage dans une entreprise dédiée à la passion et la liberté de ses partenaires dans leur choix professionnel? Alors rejoignez notre équipe. Nous recherchons des stagiaires dans le secteur commercial, sur le plan de l'animation et enfin sur le plan marketing. Alors si notre offre de stage vous intéresse, contactez sans plus tarder Radio Off Basket par mail à l'adresse info@radiooff.net. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux.
mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Voulez-vous réduire les coûts de votre entreprise sans mettre vos salariés à la porte? Souhaitez-vous diminuer le stress de vos employés à leur poste de travail? Si oui, vous pouvez compter sur RiscoSoft IRM. RiscoSoft IRM, un ensemble de logiciels pour améliorer les performances de votre société. Retrouvez les logiciels RiscoSoft sur le site internet www.riscosoftcore.com. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket, c'est plus qu'une radio. C'est aussi une marque. Que ce soit pour défier vos potes sur les terrains avec nos t-shirts, offrir un cadeau avec du style à votre copine, apprécier de voir vos enfants habillés à la mode, donner plus de caractère à votre style avec une coque de téléphone, un sac de sport ou encore une casquette, vous serez totalement satisfait. Avec la radio numéro 1 de basket à travers le monde, montrez votre appartenance à cette révolution dans le monde du média. Radio Off Basket, c'est aussi une signature. Alors n'hésitez pas, cliquez sans plus tarder sur le lien La Boutique, sur le site internet www.radiooff.net. C'est bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Bonjour à ceux qui se réveillent pour aller au boulot. Bonjour à ceux qui sont dans les églises réveillées, qui se réveillent pour aller payer les billets nocturnes. Bonjour à ceux qui sont encore
Debout, ça dépend du fuseau horaire, mais en tout cas, ceux qui sont en Californie, salut. C'est qu'il est quoi, il est un truc comme 18h, là-bas, comme ça, 17h. Voilà. Ouais, big up, hein, comme d'habitude, mais c'est un exclusion de ce soir, comme d'hab, la nouvelle solution, quoi. Voilà. Samedi live show, ouais. Voilà, nouvelle formule, on va dire ça comme ça, une formule qui a évolué, puisqu'on a fait évoluer notre concept, hein, vu qu'on est parti du Flash Basket. Hein. Flash Basket, c'est une émission hebdomadaire qu'on présentait plutôt le vendredi. Et puis, de fil en aiguille, en réfléchissant sur nos disponibilités et bien entendu sur notre planning, on s'est dit pourquoi pas faire une émission plutôt samedi. Et toujours de fil en aiguille, on s'est dit qu'est-ce qu'on attend pour enchaîner pour un direct live pendant les matchs de la nuit, hein, Mopo? Ah, ça, faut oser, hein. C'est ça la solution avec Radio Le Femme. On essaie de mettre le temps en condition de toujours toucher, hein. Tout ce qui te parle de basket, mais plus près, de manière plus large, si c'est possible, hein. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle on a donc décidé donc de planifier désormais de déplacer déjà le rendez-vous prévu pour vendredi, pour samedi, hein. Et donc, Flash Basket qui devient donc Saturday NBA Live Show. Et il faut aussi préciser, tu vois, souvent c'est samedi, on va dire qu'il passe dimanche matin, les gens qui sont plus n'ont pas de là. Alors, les dimanches matin, c'est ils sont, qui sont chez eux là, et puis qui sont en train qui ont fini de faire la prière, ils peuvent juste mettre les écouteurs et écouter un truc et d'être live. Que de, si tu n'as pas de téléviseur chez toi, que tu as internet, tu as un forfait de 200 francs, 300. Si voilà. Tu as Orange ou MTN ou Nextel, yeah. Je sais pas trop. Je pense que ça te permet de faire le show, hein. Voilà, ou bien si pour ceux qui bossent aussi la nuit, tu sais, il y a ceux qui bossent la nuit qui peuvent avoir accès à leur téléphone ou à leur PC, qui peuvent écouter. Hein, donc quelle que soit de toutes les façons votre activité à 7h de la nuit ou à 7h de la journée, hein, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, vous pouvez donc profiter de cet instant pour vivre donc avec nous. Si vous êtes fan, bien sûr, si vous êtes fan de basket, c'est pour ça que vous écoutez cette radio. Vous profitez donc pour vivre avec nous cette soirée basket, hein, tous les samedis désormais sur le parquet de la radio. Tous les samedis, hein, à partir de 1h30 de GMT plus 1, on va dire 2h30 heure française, hein. Bon, on s'est dit qu'on va plutôt prendre 7h, vu qu'avec à partir de 1h30, je crois qu'il y a déjà des matchs qui se sont joués et d'autres qui se préparent, hein, ou qui ont déjà commencé, comme c'est le cas actuellement. Donc c'est un peu le temps qui nous permet d'être on va dire au milieu, on va dire ça comme ça. Donc ça permet de faire le point sur ce qui a déjà démarré et puis d'attaquer bien entendu ce qui va commencer, vu qu'on va balayer à peu près tous les dimanches matin on va balayer l'actualité des matchs qui se jouent donc en ce moment. Donc moi devant mon écran là, je suis en train de suivre par exemple le Thunder contre les Pistons, hein, ce match qui a déjà démarré depuis. Ils sont déjà au niveau du second carton. On va revenir sur les résultats tout à l'heure. Mais avant cela, on va bien entendu annoncer le programme de ce soir, puisqu'il n'y a pas seulement que les matchs NBA. On va faire le point sur le Twitter NBA Show, votre sacro-saint Twitter NBA Show. On va en parler, hein. On va faire le point sur les toutes dernières news, hein, pendant qu'on regarde les matchs en direct. Bien entendu, si vous avez des réactions et que vous souhaitez participer pendant le direct live, c'est très très simple, hein, vous nous retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Et bien entendu, si vous souhaitez passer en direct, ça marche avec Skype, hein, vous envoyez votre demande de contact à l'attention du compte Skype de la radio qui s'appelle Radio Off, et vous pouvez faire entendre votre voix pendant ce direct live. Voilà, et on va donc lancer de toute façon les préalables pour vous donner toutes les informations nécessaires pour participer en direct live pendant ce talk show qui va durer maximum 2h30, 3h. Hein. Donc, il y a vraiment de quoi faire pendant ce Saturday NBA Live Show. Et on va donc en profiter pour partager cela tout ensemble. Donc on va passer le Twitter NBA Show, hein. On va faire le point sur les toutes dernières infos de la planète Twitter. On va faire bien entendu un résumé des matchs de la nuit dernière,
Hein, on va en parler et puis on va distribuer, on va parler des dernières news, des dernières informations provenant de la planète NBA. On va partager ça tous ensemble sur le parquet de la radio. Hein, mon pauvre. Ah ouais, ouais. Donc sans plus tarder, on va commencer par lancer les préalables hein, qui permettent à tous les nouveaux auditeurs de se familiariser avec les habitudes de la radio. Donc on va commencer par là. Donc si vous êtes nouveau et que vous ne savez pas comment ça se passe, ça vous permettra de vous familiariser avec les outils, hein, les habitudes de la radio. Et si par contre vous savez très bien comment ça se passe, hein, ça ne vous fera pas de mal d'attendre juste quelques minutes, moins d'une minute, le temps de permettre aux nouveaux auditeurs de se mettre à la page sur le parquet de la radio. Oh, donc voilà, sans oublier de me présenter, hein, j'ai présenté mon pote Mopao, mais j'ai oublié de pas me présenter, même si vous le savez déjà pour ceux qui suivent la radio. Donc moi c'est bien Philippe Lélé, donc moi je suis basé à Manchester, Royaume-Uni, je suis avec mon partenaire, je l'ai déjà dit, Mopo, Pierre Gorame, aka Mopo Andiagi de la WER, sur le parquet de la radio pour animer dans cette soirée NBA live sur le parquet de la radio. Alors, c'est parti pour les préalables et on revient pour le direct. La radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse sur internet, www.radiooff.net. Voilà, reprise du direct live sur le parquet de la radio pour ce premier épisode hein, de votre Saturday NBA Live Show saison 2 sur le parquet de la radio off hein, pour cette deuxième saison sur la radio All of Fame Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket à travers le monde. On va donc faire le point sur. On va alors commencer par faire un point sur l'activité au niveau de la NBA, hein, les matchs qui ont déjà démarré depuis minuit, hein, depuis une heure, on va dire une heure et demie, hein, sur les parquets de la radio off. On va commencer. Donc mon pao, tu m'écoutes? Je t'écoute. Hein, je balais rapidement les matchs qui se sont joués, qui sont terminés. Et ceux qui sont en cours, donc on a les Spurs, hein, les Spurs qui jouent du côté de Washington, ils sont au niveau du troisième quart-temps. Les Spurs qui mènent logiquement ce match sur un score de 90 à 76. Hein, et les leaders de ce match, donc on a Kawhi Leonard, meilleur joueur du côté des Spurs, hein, logiquement avec 19 points, 1 rebond, 4 passes. Pour l'ailier. Et du côté des Wizards, on a donc Bradley Beal qui mène la charge du côté de Washington avec 19 points, 5 rebonds, 3 passes pour l'arrière des Wizards, donc 90 à 76.
pour sur ce troisième quart-temps, on va dire quoi, le mot pas, une victoire logique encore hein, pour les Spurs sur ce match. Hein. Je pense pas qu'il puisse avoir un doute là-dessus. Ah, c'est la NBA, mon frère. Ça, pour le moment, ça penche pour une victoire logique. Pour, hein. Mm-hmm. Vu que cette saison-ci, c'est pas vraiment la saison de Washington. Je sais pas ce qui se passe avec DC, donc. Je pense que cette allure-là, comme j'ai vu au début du match, là, je me suis dit que quand j'ai commencé à regarder au début du match, je me suis dit que c'était un truc qui devait être assez équilibré. Mm-hmm. Mais après avoir basculé à travers le channel, je me rends compte à ça. Tu te rends compte que finalement, cette équipe de Washington, malgré le retour en santé de Bradley Beal, hein, beaucoup de choses, beaucoup d'alchimie, manque d'alchimie dans cette équipe des Wizards, Mopao. Ah ouais. Assez. C'est, je pense pas qu'avec juste Bradley Beal, ils ont besoin d'autre chose hein, pour la victoire. Et je pense que le team boundary les manque. Hein. Tu penses que quoi, Mopao? Le team boundary, il n'y a pas l'affinité qu'ils avaient il y a cela un an passé. Non, tu te rappelles? Oui, quand c'était l'amitié parfaite là. Et en plus, il n'y a pas tu sais qu'avec le contact qu'on a donné à Bradley Beal, il faut aussi voir, il y a beaucoup de choses qui changent. C'est pas. Tu vois, il y a comme un détournement de franchise player. Il y a beaucoup d'issues, quoi. Tu vois, un peu, non? Mm-hmm. Parce que ça se voit à travers le jeu même. Hein? Oui, ça se voit à travers le jeu. Une équipe de Washington qui a beaucoup de mal hein, et qui balbutie son basket. Par contre, une équipe des Spurs, hein, on va dire quoi, des Spurs totalement dans la maîtrise de leur jeu, on va dire ça, mon pauvre. Totalement dans la maîtrise. Ah ouais. Ils avancent sans souci. Je disais à Simon, pendant nos limites basket, c'était jeudi, donc je lui disais que les Spurs sont en mode automatique, on dirait. Hein. Ils savent. Sans stress, quoi. Oui, mais les Spurs, on les a connus. Hein. C'est genre d'équipe qui est toujours, comment dire, il y a souvent, comment il y a un mot qu'on tue généralement, là. Genre. Quiet game, tu vois, un peu dans un jeu qui est silencieux, c'est un peu comme le sujet silencieux, c'est ça les Spurs en fait. Oui. C'est pas une équipe qui fait beaucoup de noise, mais à la fin, quand on commence les playoffs, tu vois le positionnement, c'est là où tu te rends compte, mais ces gars-là jouent encore, ils ont encore des gars qui peuvent courir, vu qu'ils n'oublient pas une équipe qui est constituée à 90% de vétérans, hein. Donc c'est aussi ça, donc il faut comprendre. Et oui, j'ai toujours dit, je vais toujours piquer les vétérans sur la jeunesse, hein. Même si on me dit que tel joueur est n'importe comment là, je vais toujours piquer les vétérans parce qu'avec les vétos, tu as l'avantage parce que les vétos, ils savent comment. Tu sais que chaque mois de basket, le basket en fait, il y a une forme, une gestion. Tu vas voir, il y a une période où tu vois, on joue, on pousse, il y a une période où ils rentrent sur le terrain. Donc c'est un peu ça la gestion quoi. Et avec les vétos, c'est un peu ça. Quand tu vois les Spurs sont en train de jouer là maintenant contre les Wizards, tu vois cette balance là. Au début du match, avec un Bradley Beal a pris son premier jumper, c'est Jung, tu vois un peu le terrain, c'est l'air. Gasol a un peu tiré, ça allait. Après ça, l'autre a eu un 12 foot. Le gars s'appelle comment là, le transfert là. Aldridge. Aldridge aussi pris un 12 foot de cette Jung là. Tu vois, le match est un peu comme c'était équilibré. Après, ça a quand même changé. Chanel est revenu. C'était plus trop ça, quoi. Bon. C'était plus trop ça, ouais. Ouais, donc là, tu comprends la différence. Il y a, et comme je l'ai dit, Washington a encore assez de choses à refaire dans le team. Donc, c'est pas juste une question de. Parce que quand tu as une équipe professionnelle, ce n'est pas ce que l'équipe d'en face fait qui te fait gagner le match. C'est que toi, tu fais en plus pour gagner. Ouais, c'est ça, quoi. Oui, donc une équipe de Washington qui a beaucoup de mal. Donc on rappelle encore l'actualité de ce score. Ils sont à 92 pour les Spurs, 78 pour les Wizards de Washington. Ils sont au quatrième quart-temps. Hein, on rappelle les meilleurs scores. Bradley Beal, 21.5 rebonds, 3 passes du côté de Washington. Et Kawhi Leonard, très zen. Hein, Kawhi Leonard qui ne force pas son talent. Il est à 19 points, 1 rebond, 4 passes pour l'ailier des Spurs de San Antonio. On continue avec le match suivant. Ce sont les Knicks de New York qui se sont déplacés à Charlotte, hein, du côté de Charlotte, pour affronter la franchise donc de Sa Majesté Air Jordan, hein, l'équipe de Nicolas Batum. Alors, Kristaps Porzingis, hein, mon pauvre, qui continue à faire un chantier du côté de New York, mais à la surprise, je ne sais pas si je dois dire la surprise générale, mais ce sont les Hornets
qui sont en train de mener sur ce match. Il reste 8 minutes à jouer sur ce quatrième carton. 82 pour les Hornets, 78 pour les Knicks de New York, mon Pao. Ah, mais Chris, tu vois, comme je t'ai dit, chaque joueur dans la ligue est en projet. Chris Porzingis qui joue à l'NBA. Ah, mais la majorité, c'est jeunes joueurs qu'on donne des gros chiffres d'affaires et tout et tout. Tu vois, c'est un peu comme un jeune commerçant, tu vois, prenons un exemple, les Bouddhas, tu vois, en Afrique, non? En Afrique, les Bouddhas, ceux qui viennent de l'Ouest, là, du côté de la mer Noire, tu vois. Généralement, on les lance comment? On te prend un jeune du village, on t'amène en ville, on te donne un carton, et on te dépose le carton, on te met une certaine quantité d'outils à l'intérieur, tu vas te battre à la sauvette, en fait. Donc maintenant, c'est à toi de... Peu importe ce qui se passe, il y a les gros guincailles qui sont déjà installés, en fait. Tu vois un peu, non? Comme les gros bourreaux du marché, prenons l'exemple. Il y a Melo, il y a Nanani, Nanana. Mais à la fin de la journée, ce que je dis, en tant que joueur, institution, équipe, organisation, ce que toi, tu fais d'abord sur ton plan, point même personnel, parce qu'en fait, la victoire est collective, en fait. Ouais, un peu ouais. Le truc, non? Donc, peu importe, tu vois, regarde Russell Westbrook. Peu importe si Russell Westbrook score 50 points, 60 points chaque match. Ce n'est pas ça qui va de la victoire. Oui. Tu vois un peu tout, non? À la fin de la journée, c'est un travail collectif. En fait, toi, tu as un sport collectif. C'est ça que tu vois, les tennismen sont payés assez cher. Ce qu'on fait, c'est un sport individuel qui demande assez d'énergie. Tu relâches juste sur toi seul. Tu vois un peu, non? C'est un peu ça, un peu en gros, quoi. Ouais. Je vois. Donc, une équipe de Hornets hein, qui résiste bien hein, face à cette équipe de New York. 82 pour les Hornets, 78. Pour les New York Knicks, les meilleurs joueurs de ce match du côté de New York, Kristaps Porzingis continue à être donc le leader de cette équipe des Knicks en ce début de saison. 21 points, 6 rebonds, 2 contre pour lui. Jeremy Lamb, l'arrière ailier des Hornets, qui est à 15 points, 15 rebonds et une passe décisive. Donc il a un bon double-double pour lui. Hein, donc très très intéressant. Ah, les Knicks qui remontent, hein, ils remontent sensiblement. Ils sont à 81-82. Je vais te demander pour toi, tu vois qui a gagné ce match? Ça va être serré apparemment. Hein. Ça va être serré. Qui joue mon coquille là? Les New York, les Knicks qui jouent à Charlotte. Ça va dépendre. Ils sont à 81-82. Oui. Je pense les New York Knicks sur deux matchs d'affilée quand même avec un Terry Rose qui a close out le game de la semaine, au début de semaine. Je vais donner quand même une pièce aux New York Knicks. Mm-hmm. Parce qu'ils essayent quand même déjà de monter quelques belles choses. Je sais pas si tu vois un peu, non? Si. Regarde les 5 derniers matchs de New York Knicks. Tu peux voir la décadence parce qu'en fait, je vais m'appliquer sur la gestion statistique en fonction du pourcentage des blessures. De comment l'équipe fonctionne en fait, tu vois un peu, non? Je pense que je vais pencher sur New York un peu, tu vois un peu, non? Et c'est ça que tu vois une équipe comme les Sixers. Les Sixers jouent très bien à domicile, mais à l'extérieur, c'est pas trop ça, tu vois un peu le truc, non? Donc c'est ça, parce qu'en fait, tu dois comprendre un truc. Moi, une équipe bien joue à domicile, mais quand tu es à l'extérieur, selon l'adversité, qu'est-ce que tu fais en fait? C'est ça qui est plus difficile parce que tu vas te rendre compte les players, tu vas jouer le terrain d'autre côté en terrain neutre, tu vois un peu tout, non? Et quand c'est le cas, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes sur la table? Oui. Donc c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça, oui, effectivement. Donc moi aussi, j'ai envie de mettre une petite pièce sur cette équipe des Knicks. Hein. J'ai vraiment envie de les voir continuer sur cette bonne note hein, qu'ils nous proposent depuis quelques semaines maintenant. Hein. On les sent plutôt bien. Donc, pourquoi pas une nouvelle victoire pour cette équipe. De toute façon, le match est très serré. Il est impossible à ce moment de ce match. On rappelle qu'ils sont au quatrième carton. Il reste 8 minutes 19 secondes à jouer. Ils sont à égalité d'ailleurs. Hein, 82 partout pour ces deux équipes. Donc, moi, j'aimerais bien voir les New York Knicks remporter ce match. On va enchaîner avec le match suivant, hein, c'est le match que je suis actuellement hein, sur mon moniteur. Il s'agit des Oklahoma les Pistons de Détroit qui jouent à Oklahoma ce soir contre le Thunder, hein, les Pistons de Détroit, donc qui sont en face d'une équipe du Thunder, on va dire revanchard, hein, Russell Westbrook. Ils ont gagné contre Denver. D'ailleurs, on va revenir sur
le résumé de leur match tout à l'heure. Et là, le Thunder mène sur ce match. Ce n'est que le début. C'est quand même, ce n'est que le début du match. Ils sont au deuxième quart-temps. Hein, le Thunder qui mène sur un score de 56 à 40. 56 pour le Thunder, 40 pour les Pistons. Russell Westbrook qui démarre doucement apparemment. Pour maintenant, il est à 9 points, 8 rebonds, 7 passes. Toujours, même s'il vient de commencer là, tu vois des stats. Toujours des stats, toujours. C'est toujours impressionnant. Hein, 9 points, 8 rebonds, 7 passes pour lui. Hein, ce n'est que le début, mais ça montre déjà. On dit qu'il restait, il reste un triple double hein, pour dépasser. Pour égaler LeBron James, j'ai vu ça sur les réseaux. Moko. Quoi, de Russell Westbrook? Il va sûrement le dépasser. Hein, je crois que. Ça va être dépassé, ça va être un peu difficile parce qu'en fait. Il reste un triple double pour l'égaler. Oui, mais il ne faut pas oublier que les deux sont toujours en train de jouer. Donc, et je ne sais pas s'il va être Russell Westbrook qui pousse les stats. Qui bien être Russell Westbrook qui poursuit une bague, c'est pas ça le problème. Hein. Oui. Parce qu'à la fin de la journée, c'est vrai, la consécration d'une très belle carrière dans tout niveau. Donc, quand tu pratiques n'importe quel sport, que ce soit la pêche, que ce soit la boisson, tu veux toujours gagner. Tu veux rentrer en fin de soirée, tu veux rentrer avec de belles, de champ belles. Tu veux un peu tout, non? Tu veux rentrer avec la ceinture qu'on dise que non. Philippe était entré dans ce bar, il a bu 50-33 et c'était, on a donné la ceinture, il a accroché à la maison. Parce qu'à la fin de la journée, qu'est-ce que tu montres au petit, à Philippe Junior, quand il grandit, dans 20 ans, tu vas dire, mon petit, j'avais fait ceci, tu vois un peu tout, non? J'avais créé une radio, les statistiques prouvent, parce que si on va sur le moteur Google, c'est ça qui va être la consécration, parce qu'en fait, on pourrait dire qu'on a créé une radio, mais on n'a pas le support qui atteste qu'il y a un truc. Tu vois, mon temps, justement, c'est ça. Est-ce qu'il va être le joueur qui pousse les statistiques? Et à la fin de la journée, dépasser, oui, pour combien de semaines? N'oublie pas que LeBron James, c'est facile pour de faire les double, triple, double. Et s'il veut le faire, s'il veut poursuivre vraiment les stats, il pourrait poursuivre les stats. Mais tu te rends compte qu'il ne pousse plus, il n'est plus au niveau de pousser les stats. Mais il est en train d'asseoir ses legacy. Et pour lui, maintenant, c'est chassé d'être dans le top 5, le top 2 de Mount Rushmore, des gars qui ont impacté la ligue au niveau des points et des barres. C'est vrai. Donc je rappelle les statistiques, enfin les scores déjà. Donc là le deuxième carton est terminé. Donc 56 pour le Oklahoma City, 46 pour le Thunder, donc 10 points d'avance pour OKC. Donc Russell Westbrook est à 9.8 rebonds, 7 passes pour lui. Et Marcus Morris, l'intérieur de Détroit, est le meilleur joueur du côté des Pistons avec 10 points en rebond pour lui. Alors le match suivant qui est encore en cours, hein, c'est le Miami Heat, les Grizzlies de Memphis qui affrontent le Miami Heat. Le Miami Heat, donc du côté de Miami, hein, c'est un match où le Heat reçoit donc ses ours de Memphis. Et aussi en deuxième quart-temps qui est en train de se terminer, le Heat qui mène sur un score de 47 à 46. Et les meilleurs joueurs de ce match, donc du côté de Miami, Dion Waiters est à 9.3 rebonds, 3 passes. Et du côté de Memphis, Marc Gasol est à 16 points de rebond, 1 passe pour le pivot de Memphis. Déjà, à mon part, le Pistons Oklahoma City, tu vois OKC remporter ce game? Pistons Oklahoma, il joue à Oklahoma. Il joue à Oklahoma, oui. Je vais mettre une pièce sur Russell Westbrook pour tous ses efforts depuis Saint-Madafi. Tu vois, moi, je pense que moi, en fait, ce que je fais, je mets ça sur une base d'un certain nombre de matchs, en fait. Tu vois, un peu tout, non? Et sur la décalance des points, vu les statistiques qu'il a eu les derniers matchs, je pense qu'avec ces stats-là, il peut essayer de faire un truc contre les Pistons. Oui. Il peut gagner ce match parce qu'ils sont, ouais, ils sont plutôt bien partis. Et le match, le Heat de Miami contre les Grizzlies de Memphis qui jouent à Miami, ils affrontent le Heat au même moment. Là, ils sont à égalité 49 partout. Tu vois qui remportait ce match. Normalement, logiquement, on aurait dit les Grizzlies, mais le Heat n'a pas l'intention de laisser ce match passer apparemment. Ils vont jouer ce soir. Tu vois qui gagnait? Entre les Grizzlies et Miami. Ils jouent à Miami.
Grizzlies et Miami. Il va aller avec Miami. Tu vas aller avec Miami, hein. Ils jouent à Miami, ouais. Donc le Heat n'a pas l'intention. C'est pas forcément, C'est pas forcément tout de qui joue à Miami. N'oublie pas qu'il y a Zibo qui n'est pas là. Il a perdu sa maman. Ah oui, Zibo n'est pas là, oui, c'est il a perdu sa maman. Il a perdu sa maman jeudi pendant Thanksgiving, donc il n'est pas là. Mmh. Ah oui, ça c'est une info que j'avais pas. Ah, il a eu sa mère. Oui, sa mère mort jeudi, le jour de la fête du poulet. Ok. Donc c'est pas facile, hein. Mais Marc Gasol est là, par contre. Ouais, il est là, mais en tout cas. Je reste quand même confiant avec Miami. Tu vois bien Miami remporter ce match. Donc pourquoi pas. On va voir ce que ça va donner. Et après donc ce match du Heat contre les Grizzlies, donc le dernier match de cette soirée hein, pour ce samedi. Donc c'est les Timberwolves qui se déplacent à Oklahoma ce soir. Hein, je crois qu'ils vont en profiter pour prendre quelques leçons hein, de basket, mon poireau. Qui ça? Les Timberwolves qui se déplacent à Golden State. Pourquoi tu penses forcément qu'ils vont prendre des leçons? Ça peut, ils peuvent jouer, mais moi je pense que les Warriors là, ils sont, tu sais, autant les Spurs, hein, ils ont une calme, une sérénité dans leur jeu, tu sais. Mais les Warriors, il y a un aspect de destruction là. Je ne dis pas non, mais il faut aussi qu'on oublie le facteur, tu vois. Que toutefois qu'une équipe se déplace du côté des Warriors, ça veut dire forcément que c'est une destination ou bien que c'est l'école du basket en fait. Parce qu'à la fin de la journée, il repose sur un collectif qui n'est pas du premier joueur au 15e joueur. Le compte, tu t'en dis sans cesse oublier, que le collectif des Warriors repose sur trois têtes pensantes en dehors du coaching staff qui font une rotation et essaient de faire une juxtaposition de joueurs à côté pour comme une complémentarité en fait. Tu vois, c'est collectif, c'est bien beau, mais à la fin de la journée, on sait quand même qu'il faut toujours besoin d'un maestro et on a juste amené un deuxième chef d'orchestre qui est Kevin Durant dans la baguette, tu vois, un peu, non, pour essayer d'aider. Mais à la fin de la journée, tu as vu, je sais pas qui ils ont joué, c'était les Lakers qu'ils ont joué dernièrement, on sait pas quand qui ils ont joué. Quel le match, ils ont perdu un match cette saison, non? Les Warriors, oui. Ils ont perdu le match, ils ont perdu. Regarde bien le match, comment le match est joué. Tu vas comprendre que les Warriors. En fait, c'est que certaines équipes viennent déjà jouer les Warriors avec le cerveau déjà vaincu, en fait. Tu vois un peu le truc, non? Ils se disent c'est le match de saison, ça ne compte pas assez. Tu vois un peu le truc, non? Jouons juste, quoi. Tu vois un peu le truc, non? C'est un peu ça. Je ne dis pas tantôt qu'ils vont gagner, mais ce que c'est en train de dire, s'ils viennent avec une différence, c'est ami. À la fin de la journée, c'est un business contre un business. C'est comme si on se dit, on va faire une émission contre peut-être ESPN, des shows, on va avoir un talk show, de clash, on pourra voir si nos infos sont plus pointues. À la fin de la journée, reste ESPN, c'est vrai. Ils sont le top dog in the league. Mais à la fin de la journée, tu dois venir, on doit venir avec l'esprit, non? On va devenir le meilleur de nous, en fait. Tu vois un peu tout, non? Ouais. C'est effectivement ça. On va donc voir comment ça va se dégoupiller, même si on sait que la logique, on va dire que les favoris, c'est clairement les Warriors. Hein. Oui. Les favoris, non, de ce côté-là, je dis pas non qu'on peut être favori. Normalement, je suis juste dans le sens du 1. Hein, qu'on arrête de. À la fin de la journée, ils ne détiennent pas les clés de basket. Tu vois un petit, non? Nous savons quand une équipe a LeBron James, forcément, c'est 95% des chances d'avoir gagné un titre. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce qui prouve s'il n'amène pas ça? S'il n'amène pas le LeBron James pour connaître la table, il n'y a pas de victoire. C'est un peu la même chose que le paradis, en fait. C'est vrai. Donc, voilà pour la mise au point des matchs qui se jouent actuellement du côté de la NBA. Hein. On va passer à la suite du talk show. On va diffuser le Twitter NBA Show. Mais avant cela, on va diffuser une petite page de publicité dans moins d'une minute. A tout de suite, Mopao. Ouais. We'll be right back.
La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket, c'est plus qu'une radio. C'est aussi une marque. Que ce soit pour défier vos potes sur les terrains avec nos t-shirts, offrir un cadeau avec du style à votre copine, apprécier de voir vos enfants habillés à la mode, donner plus de caractère à votre style avec une coque de téléphone, un sac de sport ou encore une casquette, vous serez totalement satisfait. Avec la radio numéro 1 de basket à travers le monde, montrez votre appartenance à cette révolution dans le monde du média. Radio Off Basket, c'est aussi une signature. Alors n'hésitez pas, cliquez sans plus tarder sur le lien La Boutique, sur le site internet www.radiooff.net. Radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Voulez-vous réduire les coûts de votre entreprise sans mettre vos salariés à la porte? Souhaitez-vous diminuer le stress de vos employés à leur poste de travail? Si oui, vous pouvez compter sur RiscoSoft IRM. RiscoSoft IRM, un ensemble de logiciels pour améliorer les performances de votre société. Retrouvez les logiciels RiscoSoft sur le site internet www.riscosoftcore.com. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radioof.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame Basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Voilà, voilà, c'est comme ça que ça se passe sur le parquet de la Radio Off, les amis. On va enchaîner avec cette deuxième étape
pour faire le point sur le Twitter NBA Show. On va bien entendu aussi ne pas lâcher l'actualité des matchs qui se jouent actuellement du côté de la Grande Ligue. Hein, on l'a dit, hein, le match principal, enfin pas de match principal, hein, vu que on regarde ce qui se passe un peu partout, on va dire ça comme ça. Donc les Spurs, on va rappeler que les Spurs, Mopo, tu m'écoutes? Hein, Mopo, tu es là? Ouais, j'écoute. Alors les Spurs sur le match se termine, hein, du côté de Washington, hein, où les Spurs sont en train de mettre une petite correction aux Wizards, hein, sur un score de 111 à 96. Le match est en train de se terminer, il reste plus qu'une minute à jouer. Les Wizards sont montés à 98. Score 111-98, 45 secondes à jouer, donc le match est pratiquement plié, Mopao. Donc comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, une équipe des Spurs en mode moi j'aime bien mon expression en mode automatique. Donc 17 secondes à jouer, ils sont à 112, voilà, donc les Spurs ils sont en train de plier ce match tranquillement. Ah, Washington. Vu sur ce match, il faut quand même donner les éléments, vu que ce match est en train de se terminer, hein, il faut quand même donner les éléments un peu plus complémentaires, hein, liés aux statistiques de ce match. Alors, je disais, du côté des Spurs, le meilleur joueur. Le match est terminé. Voilà, le match est terminé du côté de Washington. Donc, les Spurs qui gagnent ce match logiquement. Hein, les Spurs qui gagnent ce match logiquement sur les Wizards pour un score de 112 à 100. Et donc, on va faire le point sur les meilleurs joueurs de cette rencontre. LaMarcus Aldridge, hein, est donc le MVP de ce match, hein, l'intérieur de San Antonio. Il est le MVP de ce game avec 24 points, 7 rebonds, une interception pour l'intérieur de San Antonio. Du côté des Wizards, c'est Bradley Beal qui a mené ses coéquipiers pour essayer de tenir le coup, on va dire ça comme ça. Il termine le match avec 25 points, 6 rebonds et 5 passes décisives. Du côté des Spurs, après LaMarcus, on a Kawhi Leonard avec 19 points, 5 passes, 3 interceptions et un rebond, hein, un rebond pour Kawhi Leonard. Et le troisième meilleur joueur de cette équipe des Spurs, c'est Tony Parker, hein, Tony Parker le français, qui a décidé de mettre un peu le pied sur l'accélérateur ce soir. Il termine le match avec 20 points, 3 passes, 1 rebond pour Tony Parker. Du côté des Wizards, on a John Wall qui a terminé deuxième meilleur joueur de ce match avec 21 points, 5 passes, 3 rebonds pour une interception pour John Wall. Et Bradley Beal avec 25 points, 5 passes, 2 interceptions et 6 rebonds, hein, pour l'arrière de Washington. Quoi d'autre à dire? Donc voilà pour les stats concernant ces deux équipes, hein. Donc les San Antonio Spurs qui sont à 13 victoires pour 3 défaites, hein, 13 victoires pour 3 défaites, ils continuent d'enchaîner, on va dire ça comme ça. Alors qu'est-ce qu'on peut encore dire sur ce match qui s'est terminé? Qu'est-ce qu'on peut dire encore? On va revenir sur les dernières statistiques globales de ce match. Les Spurs qui ont shooté globalement à 53,3%, donc c'était vraiment tout easy pour eux, hein. Les Wizards qui ont shooté à 48%. À 3 points, les Spurs ont shooté à 37,5%. Les Wizards ont shooté à 27%. Et au niveau des pertes de balles, ils sont à égalité avec 14 ballons perdus à San Antonio et 14 ballons perdus du côté de Washington. Et au niveau des rebonds, ils sont pratiquement à égalité avec 38 rebonds pour San Antonio contre 39 rebonds pour
Washington. Voilà pour le match du côté de Washington. Et le match suivant qui est en train de se terminer, mon pauvre, c'est les Knicks. Les Knicks qui jouent serré face aux Hornets. Donc les Knicks qui ont 102, les Hornets ont 105, 105, 102. Le match est serré, mon pauvre. Il reste 11 secondes à jouer. Est-ce que les Knicks vont pouvoir gagner ce match? Mopao qui a mis une pièce sur cette équipe de New York. Donc il reste 11 secondes à jouer là, Mopao. 105 à 102 pour les Hornets. Allons voir comment ça va se passer. 11 secondes à jouer du côté de New York. Du côté de Charlotte, pardon. Le match joue à Charlotte. Hein, il faut le préciser. Donc le match se joue à Charlotte. Alors, comment ça se passe du côté des abeilles, on va dire ça comme ça, du côté de Charlotte. On rappelle qu'ils sont, donc là c'est le temps mort, hein, on va dire ça comme ça, hein, 11 secondes à jouer. 105 pour les Hornets, 102 pour les Knicks. Les meilleurs joueurs de ce match, Jeremy Lamb du côté des Charlotte avec 17 points, 17 rebonds, 2 passes. Et du côté de New York, Derrick Rose est le meilleur joueur avec 18 points, 8 rebonds, 8 passes décisives. Les Knicks qui ont shooté à 38% Mopao contre 43% pour les Charlotte Hornets. Hein. Très très mauvais au shoot ce soir. Les Knicks de New York avec 38,1%. À 3 points, ils sont à 37% contre 36% pour les Hornets. Et au niveau des ballons perdus, les Hornets sont à 10 ballons perdus contre 8 pour les Knicks. Au niveau des rebonds, Charlotte mène avec 51 rebonds contre 46 rebonds pour les New York Knicks. Donc voilà pour les quelques stats globales au niveau de ces deux effectifs. Alors, normalement, on doit enchaîner avec le tuto NBA Show, mais vu qu'on est vraiment en direct, hein, par rapport à cette fin de match, on va enchaîner avec le tuto NBA Show. Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, mais il est quand même nécessaire de faire le point sur les matchs qui se jouent actuellement. Alors, donc le match a repris, 10 secondes à jouer. Contre les Knicks, contre les Hornets. 102 pour New York, 105 pour les Hornets de Charlotte. Donc voilà, hein, le match a repris. Voyons voir, est-ce que les Knicks vont réussir à emporter ce game? Ils vont pouvoir le faire vu qu'ils étaient en forme, on va dire ça comme ça. Ils ont fait une crise, hein, dernièrement, il y a une semaine. Ils ont fait une réunion de crise à laquelle a participé Phil Jackson, hein, Phil Jackson qui ne s'est pas exprimé durant tout le temps de la réunion. D'ailleurs, c'est ce qu'avait dit Carmelo Anthony, il ne s'est pas exprimé. Je crois qu'il a décidé de les laisser évoluer comme il le sent. Hein, et je crois qu'il n'a plus l'intention de leur mettre autant de pression par rapport à son triangle. Hein, mon pauvre. Il va me mettre le quadriangle, le père, là. Il n'a pas encore eu sa mort. Phil Jackson qui dérange avec son triangle. Mais vu qu'ils ont gagné dernièrement, il a décidé de leur lâcher un peu les baskets. On va dire ça comme ça. Alors, 10 secondes à jouer. Toujours temps mort. 106 pour les Hornets, 102 pour les Knicks de New York. On attend de voir la suite des événements de ce match pour savoir si les Knicks de New York pourront remporter ce game. Donc, des Knicks de New York qui ont 38,1% au shoot. Sur l'ensemble de la rencontre, c'est plutôt mauvais. Tu es d'accord avec moi, non? Ouais, c'est mauvais. C'est ça que j'ai dit. Si tu regardes le match dont ils ont gagné, même si c'était avec peine, tu peux voir la différence au niveau du scoring.
Ah, le New York qui sont encore en décadence, on verra bien ce qui va se passer. Ah, et pourtant, quand ils ont démarré, on avait un peu. Enfin, moi, je faisais partie de ceux qui avaient un peu l'espoir, c'est ce qu'on voyait sur le papier, quoi. C'est vrai que la saison est longue, mais c'est vrai que ça fait aussi. Ça fait mal de voir ce début de saison des Knicks de New York. C'est assez chaud pour cette équipe de New York qui vont essayer hein, voilà, fin du match du côté de Charlotte. Les Knicks de New York qui ont perdu encore. Les Charlotte Hornets qui ont gagné ce match. Ils ont score de 106 à 102. Mot pour les Knicks qui n'ont pas réussi à nous faire mentir, on va dire ça comme ça. Ah ça, ils ont coupé la pièce qu'on a déposée sur eux. 107 pour les Hornets de Charlotte, 102 pour les Knicks de New York. Hein, les Knicks qui ont chuté à 37,8% sur l'ensemble du match contre 43,8% pour les Charlotte Hornets. Une équipe de New York assez décevante, on ne s'attendait pas. Enfin, on savait qu'il y avait une possibilité qu'ils perdent, hein, mais je les voyais clairement comme des potentiels favoris. On va dire ça comme ça, mais malheureusement, ils n'ont pas pu aller au bout de leurs envies, on va dire ça comme ça ce soir. Donc, ils ont perdu ce match face à Charlotte. Voilà, mon pauvre, deux matchs évacués pour ce soir, hein, c'est pas mal. Hein. On avance bien pour cette soirée, cette première soirée Saturday NBA Live Show, hein, mon pauvre. On a déjà évacué deux matchs. On continue d'évacuer. On va en profiter pour faire bien entendu le point sur le Twitter NBA Show. On va d'abord parler aussi des autres matchs qui se jouent. Donc du côté d'OKC, Oklahoma qui continue à mener au score face aux Pistons de Détroit. Oklahoma qui est à 63 contre 54 pour les Pistons de Détroit. Sur ce match, on a mis une pièce sur OKC, hein, ils sont à domicile. Ils devraient pouvoir remporter ce match. Russell Westbrook est toujours le meilleur joueur du côté d'Oklahoma avec 9 points, 11 rebonds, 8 passes décisives. Et le pivot des Pistons, André Drummond, est le meilleur joueur de Détroit avec 8 points, 6 rebonds, 1 passe. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux statistiques globales de cette rencontre? Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que... Alors, au niveau du pourcentage de shoot, hein, les deux équipes sont très très proches, mais c'est plutôt positif. Les deux équipes shootent à 45,1% ce soir, donc c'est plutôt positif. À 3 points, les Pistons de Détroit, Mopao, sont à 0,0%, donc ils n'ont pas fait un seul shoot à 3 points durant tout le match. Oklahoma est à 28%. Wow. Les Pistons de 3 qui n'ont pas fait un seul tir à 3 points et ils sont au 3ème quart-temps, Mopao. 7 minutes à jouer sur 3ème quart-temps et pas un seul tir à 3 points du côté de Détroit. C'est quand même assez. C'est étonnant. Ça veut dire qu'il y a soit assez de hustle, soit les gars aujourd'hui là. Je ne sais pas ce qu'ils ont pour eux, mon frère. Non, alors, je regarde au niveau des tentatives à 3 points vu que c'est quand même une stat qui m'étonne. Hein. Alors, ils sont à 0 sur 11 à 3 points, Mopao. 0 sur 11 à 3 points pour les Pistons de Détroit. Ils ont quand même tenté, mais 11 tirs à 3 points, 0 tir marqué, on va dire ça comme ça. Et du côté d'Oklahoma, ils sont à 4 sur tir contre 14. 4 réussis sur 14 tirs tentés. Alors, on va dire ça comme ça. Pour Oklahoma City. Donc à loin, on va dire que de loin, c'est catastrophique. Catastrophique pour ces deux équipes. On va dire ça comme ça. C'est très mauvais. C'est très mauvais. Hein. Ce n'est pas bon du tout, malgré cette avance d'OKC.
voilà, ils tirent encore à 3 points et ils ratent. C'est vrai qu'ils sont, ils vont balancer des briques à 3 points ce soir du côté des Pistons. Ils sont au troisième quart-temps, ce serait quand même assez... je ne sais pas si c'est déjà arrivé qu'une équipe ne marque aucun 3 points. Je ne sais pas si tu as vu une stat comme ça. Ah, je crois qu'il y a... je crois qu'il y a un 3 points de... Tu vois, j'ai parlé et puis ils ont mis un 3 points, Mopao. Ça va bien. Combien ils ont écouté ça, mais ils ont écouté la radio et puis ils ont senti qu'il faut quand même laver l'undem. Voilà, un tir réussi sur 13 pour les Pistons de Détroit ce soir. Qui m'ont fait mentir, on va dire ça comme ça. Donc, t'as voulu un bon undem sur le coach. Je t'ai dit. Donc, OKC 63, Pistons de Détroit 59. Et du côté du Heat, hein, du côté de Miami, on rappelle que les Grizzlies jouent à Miami ce soir contre les Heat. Ils sont au troisième quart-temps, il reste 5 minutes à jouer. Et le Heat, les Grizzlies qui mènent, ils mènent au score, hein, Mopao, le score 72 à 66. Hein. 72 à 66, 69 maintenant pour le Miami Heat. Bon, c'est encore jouable. Hein. Tu as mis une pièce sur Miami, toi, donc sur ce match. Il y a encore possibilité. On va dire que ce n'est pas maintenant qu'on va désigner le vainqueur de cette rencontre. Ça va pas du tout, hein. C'est encore tôt. Allez, on va donc enchaîner, vu qu'on a donné les quelques résultats. On va enchaîner avec les quelques news de ce Twitter NBA show. Hein, on va quand même en parler, vu qu'il y a quand même certaines choses à dire. On va préciser que Stephen Curry qui a tweeté, hein, il a fait un tweet. Vous savez que les Golden State Warriors ont battu l'équipe des Lakers contre qui ils avaient déjà joué il y avait encore quelques jours. Donc ils les ont encore joué l'année dernière, ils les ont battus. Et pendant le match, Stephen Curry a raté un dunk assez facile. Hein, il a raté un dunk facile et il a tweeté sa photo sur ce dunk. Je crois qu'il a voulu se moquer un peu lui-même et passer à autre chose. Il a dit voilà ce qui arrive quand on mange trop pendant Thanksgiving, mon pauvre. On appelle ça le reverse sarcasme. Je ne sais pas si c'est en fait. Il représente la nouvelle face de NBA. Il est parmi. C'est une image, c'est une icône en fait. Oui, déjà, c'est une façon icône, de. Ouais. Hein, yeah, ouais. Donc, c'est une façon de nettoyer tout et. Oui, de continuer. Quoi. Tu vois un peu, non? Je ne sais pas si tu vois le truc. Si, je vois ce que tu veux dire. C'est. Ouais. C'est une manière de se passer là-dessus. Et... il préfère lui-même commenter que de laisser que d'autres personnes commentent à sa place. Voilà, puisqu'après, il sait que les réseaux sociaux vont faire les choux gras de cette ouais, action. Ouais, le boom avec. Ouais, ouais. On va sortir ça à toutes les sauces. Dunk raté de Stephen Curry qui a plutôt choisi de se moquer de cette action en disant voilà ce qui arrive quand on mange trop pendant Thanksgiving. Allez, on va donc parler de la suite de Twitter NBA Show. On va parler de Steve Kerr. Steve Kerr qui a dit sur le match contre les Lakers, il a dit c'est le pire match que j'ai vu de ma vie. Les spectateurs devraient être remboursés. Il a dit c'est le pire match qu'il a vu de sa vie. Les spectateurs devraient être remboursés. Alors on va faire un résumé par rapport à ce match tout à l'heure. Mais je voulais quand même préciser les stats de ce match. Hein. Les Warriors qui ont perdu 18 ballons hein, sur ce match. 18 ballons hein, contre 18 ballons aussi du côté des Lakers. On rappelle le score, les Warriors qui avaient battu les Lakers sur un score de 109 à 85. Énormément de pertes de balles du côté des Warriors qui shootent quand même à 51,8%. Steve Kerr qui n'est pas satisfait de cette performance des Warriors. Donc il espère beaucoup mieux de cette équipe, notamment pendant les games. On va dire ça comme ça. Allez, on va enchaîner du côté de Boston. On va du côté de Boston pour préciser que le coach Brad Stevens
a parlé de l'intérieur Jonas Jerebko. Il a dit c'était une bonne semaine pour Jonas. C'est un joueur qui a beaucoup de puissance, qui sait aller, qui sait utiliser les espaces, le jeu sans ballon et qui a de l'énergie pour aller scorer. On rappelle les stats de Jonas Jerebko cette saison. Il est à 4.3 rebonds et 0,3 contre pour le joueur des Celtics. Alors, on va continuer avec le Twitter NBA Show pour aller du côté de Philadelphie. Alors, les médias qui sont allés au camp d'entraînement des Sixers cet après-midi, et Joel Embiid qui a déclaré: je sens que je suis plus utile sur le terrain, j'aime être sur le terrain et aider mon équipe à gagner. Ah, c'est pas facile hein, pour Joel Embiid de patienter, mon pauvre, c'est pas facile. Sur le chemin nécessaire, le problème c'est que lui-même il donne un nom, il a « I'm the process, trust the process ». Et si tu crois en process, tu vois, il ne faut pas juste être comme les patins, les églises réveillées qui disent une chose, le lendemain font autre chose en fait. Si tu crois en un truc, tu crois à la chose que tu dis, et croire en process c'est être healthy. Tu es un joueur qui joue avec, être tu es un joueur santé. Qui joue avec. Si tu as 50%, tu apportes quelque chose, mais tu nous apportes pas vraiment ce qu'on veut. Comme je dis, l'essentiel n'est pas de gagner des matchs partiels, c'est pas de gagner un match aujourd'hui, attendre 5 matchs pour gagner un autre. Le problème, c'est de gagner pour être légitime de contender, pour mettre ton nom dans, comment on dit, pour jeter ton chapeau dans le mix. Tu dois faire la même chose day in et day out. On ne veut pas, tu ne peux pas embaucher un employé qui travaille lundi et mardi bien, et mercredi avant de dire, car, c'est la plus-value, c'est un peu ça. À la fin de la journée, on sait, on dit pas non, tu amènes, tu remplis, non, mais on veut un joueur qui est plus, hein, qui est plus en jambes, hein, le temps, tu le sais, c'est comme ça que ça marche. C'est un investissement, ça n'est pas, ouais, un truc qui bug, hein. C'est vrai que c'est un investissement. Et d'ailleurs, on rappelle, hein, sur le dernier match des Sixers Embiid, de Joel Embiid qui était assez énervé de n'avoir pas pu jouer la deuxième période de ce match. Il a botté la chaise des remplaçants, hein, avec son pied. Il a donné un coup de pied là-dessus. Il était assez énervé. Et son coach qui s'est aussi exprimé cet après-midi, Brent Brown, qui a dit: Joel Embiid n'a pas peur d'être le leader de cette équipe, c'est comme ça qu'il est, c'est sa personnalité, et c'est comme ça qu'il montre qu'il a confiance en lui. On va dire ça comme ça. On rappelle que pour le prochain match, les Sixers qui doivent aller normalement à Chicago lundi, Embiid ne sera pas du voyage, hein, il sera mis au repos. Ils vont jouer contre Toronto lundi, donc Embiid ne sera pas là, donc il sera mis au repos. Sera mis donc au repos du côté de ce match à Toronto. On va enchaîner avec le Twitter NBA Show pour parler du côté des Clippers, pour préciser que le pivot DeAndre Jordan, il a atteint la barre des 1100 contre en carrière. Il est désormais le meilleur contreur de l'histoire de la franchise des Clippers, le premier étant Benoît Benjamin avec 1117 points. Mon pauvre DeAndre Jordan, il croit qu'il peut quand même réussir à être le meilleur rebondeur de l'histoire de cette franchise. Il n'est pas si loin que ça, non? 1100 contre pour lui, mon pauvre. Ah mais comme je dis, c'est, tu vois, la NBA, j'ai l'impression qu'ils font des choses, juste des appréciations, c'est vrai, mais sans compte. C'est beau, mais c'est pas mauvais. Ça veut dire que sur l'aspect défensif, il apporte une plus-value. Je dis pas non, mais à la fin de la journée, c'est ça qui va être sa legacy. Déterminant en plus. Oui, mon problème, la finalité, c'est quoi? Tu es venu prendre les gros contrats pour gagner une... Parce qu'en fait, je ne dis pas non, à la base, tu es payé pour pratiquer ce sport, mais la finalité, c'est quoi le gain du sport? Parce que, en fait, quand on est sportif, on veut être parmi les meilleurs des meilleurs. Je pense juste de pas être la catégorie. Bien beau, c'est dans une catégorie 1100, quoi, 1100 contre et tout, nanana, c'est bien beau. Je ne dis pas non, je ne réfléchis pas à cela. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que la finalité, c'est quoi pour un sportif? Tu te juges pour te faire plaisir, non? Pour être parmi, pour écrire l'histoire, pour dire non. Quand on m'a sélectionné pour aller avec Team US, c'est parce que j'apporte des spectacles. Je sais déjà qu'il a un apport défensif. Il peut encore apporter mieux.
en travers son offense. Tu as un peu tout, non? Ah, mais c'est un très beau record, hein. Mis sans compte, c'est pas donné à n'importe qui de le faire, mais à la fin de la journée, vu son saut, son gabarit, c'est quand même prévisible, mais à la fin, apporte un truc, un plus, hein, un plus, ouais. Je ne veux pas être négatif, en fait. Moi, je veux toujours non, voir. Non, moi, je te comprends. J'aime, oui, j'aime voir un produit qui donne plus, tout un peu. En fait, vu son, ce qu'il fait, il saute, il décolle, il est assez grand. Il est inadmissible qu'il n'arrive pas à tu vois, beaucoup de sportifs, ces gars, quand ils arrivent à un niveau professionnel, quand il est juste maintenant content d'être à l'aise, de devenir ce qu'il est, en fait. Tu vois un peu tout, non? Tu vois, quand tu es à l'université, tu grinds chaque jour pour essayer d'arriver à la NBA, gars, tu bosses every day, tu fais 7 heures au gymnase, tu travailles, nanana, tu es en salle de gym. Mais la majorité, dès qu'ils arrivent à la NBA, dès qu'ils s'asseyent là, ils deviennent déjà vétérans, gars, c'est difficile pour de rentrer. Ça, tu vois, je donne assez de crédit pour LeBron James. Gérer sa carrière professionnelle, gérer sa vie privée, gérer sa carrière de businessman, c'est assez de crédit. Parce qu'en fait, ce qu'il fait, il y a très peu de joueurs en NBA qui ne produisent pas le même rendement que lui au terrain, qui ne pense pas que si il se mettait à la même ligne, il pourrait faire la même chose. Hein. Ouais. Oui, être entre deux vols pour faire des publicités, être entre ceci, il faut signer. Crois-moi, la carrière d'un sportif de haut niveau, ce n'est pas ce qu'on voit juste jouer. C'est pas seulement aller jouer au terrain, c'est pas seulement s'entraîner. Ouais. Être entre après un entraînement, prendre un vol pour aller ton jet privé, pour aller faire une signature, pour aller signer un ceci, cela. Tu veux finir de jouer un match, on te dit que dans deux jours, tu as deux jours, enfin, il faut que tu aies pas en Europe, signer un truc. N'oublie pas qu'il est actionné, il y a des trucs dans les clubs européens de football et tout, bah. C'est plein de trucs, mais à la fin de la journée, il y a très peu qui se cadrent de cela. Ils ont même assez de temps sous la main. Mais qu'est-ce qu'ils font, tu vois? S'il veut juste être... S'il est venu à la NBA pour être parmi les meilleurs contrôleurs, c'est bon, c'est bien. Là, on comprend qu'il est venu pour être contrôleur. Mais avec tout ce talent, on attend quand même une bague. Hein? C'est vrai. C'est vrai qu'on attend vraiment une bague enfin du côté des Clippers de Los Angeles. C'est vrai que ça commence à être... C'est long, hein, depuis de nombreuses années, des fois de... Saison après saison, on espère qu'ils feront mieux, hein, on espère qu'ils feront mieux cette saison. On va enchaîner, on va aller du côté des Lakers de Los Angeles pour parler de Luke Walton. Alors Luke Walton, le coach Luke Walton des Los Angeles Lakers, il a dit qu'il espère que Nick Young sera présent pour le match de demain. Et il rappelle que Julius Randle a été... il rappelle que Julius Randle, qui était blessé, hein, dernièrement, il va beaucoup mieux. Il a participé à l'entraînement aujourd'hui. Hein, et Nick Young, il espère donc qu'il sera présent pour le match de demain. Donc voilà pour nous du côté de Los Angeles. Alors, on continue à suivre la rencontre. Hein, la rencontre d'Oklahoma et la rencontre des Pistons contre OKC et les Grizzlies contre le Heat de Miami. On va rappeler que pour le premier match que j'ai cité tout à l'heure, les Oklahoma City est toujours devant avec 77 points contre 68 du côté des Pistons. Donc le score 77-68 pour Oklahoma City. Russell Westbrook toujours leader avec 13 points, 11 rebonds, 10 passes décisives. Il est encore en triple double ce soir, mon pote. Ça ne t'étonne plus, ça. Mais ça me tonne plus, Tout ce que. Le seul regret que j'ai pour Russell Westbrook, c'est je ne sais pas s'il va continuer à s'attacher sur la loyauté ou sur la poursuite d'une bague. Parce qu'à la fin de la saison, je veux pas qu'il soit un autre talent qui était West, tu es un peu non. Et il pourra avoir autant de triple double qu'il veut. Mais la finalité, s'il n'a pas l'aide nécessaire, je pense pas que ce serait des triple double en vain. N'oublie pas que Kevin Love, quand il jouait à Minnesota, tu te rappelles, non? C'était un triple double machine. Machine à scorer, oui. Oui, mais à la fin de la journée, il a dû trade tout ce qu'il avait là-bas pour chercher une barre parce qu'il a compris à la fin de la journée. Qui va remember Kevin Love qui sort de l'histoire de lui, c'est ça? Qui va remember Kevin Love qui a joué, qui a fait ceci, cela? À la fin de la journée, on doit te. They only remember you for what you put on the table. C'est le ban qu'on se rappelle. Quand on vient, on dit cette équipe avait fait 75 et 8. Mais est-ce qu'ils ont eu la bague à la fin?
C'est la question qu'on pose toujours. Parce qu'à la finalité, c'est qu'on dit, si tu peux prendre les services de Philippe pour venir animer une soirée, c'est parce que tu veux que la soirée soit mémorable. Est-ce que les invités qui sortent ce jour-là de cette soirée m'ont dit, oui, non, Philippe avait fait une soirée, c'était la mort. Vraiment, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Donc, c'est la même chose. Donc, c'est ça. Alors, mon truc, c'est si dans la finalité, il n'y a pas de bac. Ah! Ouais, ça va être dur, hein. Ça va être dur. Ouais, pas très dur, ouais. On va enchaîner avec un autre tweet cette fois du côté de Boston. C'est Isaiah Thomas qui s'est exprimé. Il a dit, je déteste vraiment perdre. Je ne pense pas que l'on gagne grand chose dans les défaites, mais on doit s'en servir pour s'améliorer et ne pas oublier. Hein, donc Isaiah Thomas qui a un petit coup de blues en ce moment suite aux multiples défaites de son équipe, les Celtics de Boston. Je crois que c'est un peu une manière de booster un peu le moral de ses coéquipiers. Donc il rappelle, il dit, je déteste vraiment perdre et je ne pense pas que l'on gagne grand chose dans les défaites. Mais on doit s'en servir pour s'améliorer et ne pas oublier. Donc voilà pour le Twitter NBA Show. On fait le point sur l'actualité au niveau de la Grande Ligue. D'ailleurs, si on a d'autres nouvelles concernant les événements d'aujourd'hui, on n'hésitera pas à en parler. Hein. Alors, Russell Westbrook qui est en train de réaliser donc son 44e triple-double en carrière. 44 triple-double pour Russell Westbrook. Il a égalé, je pense, le record de triple double de LeBron James. Il me semble que c'est 39. Pas 39. Il faut qu'on regarde un peu plus cette information de plus près. Sur le nombre. On va regarder ça un peu plus près, l'information sur le nombre de triple-double de LeBron James. Donc, Russell Westbrook qui a 44 triple-double ce soir. Donc, on rappelle ses stats. C'est mieux de rappeler les stats, on va juste vérifier après. Mais on a quand même su que nos informations, généralement, sont toujours approximativement cela, quoi. Oui, donc il est à 13 points, 11 rebonds, 10 passes décisives pour le meneur d'Oklahoma City. Donc 13 points, 11 rebonds, 10 passes décisives pour Russell Westbrook. Le Thunder qui est à 80 contre 70 points du côté de Pistons. Ils sont au quatrième carton, début du quatrième carton, et il reste 10 minutes à jouer. Il y a encore largement le temps pour les Pistons de 3 s'ils veulent forcer le destin de leur victoire ce soir. Donc on a donc terminé avec le Twitter NBA Show, je l'ai dit tout à l'heure. Le Twitter NBA Show. On va faire le point sur les matchs de la nuit. On va d'abord enchaîner avec une petite page de pub et on revient pour la suite du talk show de ce soir, donc de Saturday NBA Live Show. À tout de suite. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket.
la radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radioof.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Quel que soit votre pays d'origine, quel que soit votre pays d'adoption, vous êtes unique en soi. Et c'est cela qui fait la différence. C'est cela, être 237. We are 237, la marque de ceux qui font le choix de l'estime de soi. Être qui vous êtes, ce n'est pas un dogme. C'est être fearlessness. C'est votre choix qui compte. C'est cela, être 237. Retrouvez tous les produits de cette marque sur le site internet www.weare237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Vous êtes fan de basket? Encore mieux, vous êtes un mordu de NBA. Vous cherchez un stage dans une entreprise dédiée à la passion et la liberté de ses partenaires dans leur choix professionnel? Alors rejoignez notre équipe. Nous recherchons des stagiaires dans le secteur commercial, sur le plan de l'animation et enfin sur le plan marketing. Alors si notre offre de stage vous intéresse, contactez sans plus tarder Radio Off Basket par mail à l'adresse info@radiooff.net. On continue à faire le point sur les matchs, les deux matchs qui se jouent en ce moment. Hein, le Thunders qui est toujours devant, hein, qui tient bien le coup puisqu'il s'agit pour eux de garder l'avance qu'ils avaient mis en place.
durant tout le match, on va dire ça comme ça, vu que les Pistons n'ont pas encore été devant. Hein, donc les Oklahoma City, ils sont donc à 86 pour Oklahoma City Thunder contre 72 points pour les Pistons de Détroit. Nous sommes au quatrième quart-temps, il reste 7 minutes à jouer. Russell Westbrook a encore un mot de triple-double ce soir avec 13 points, 13 rebonds et 11 passes décisives. Andre Drummond, l'intérieur, le pivot des Pistons, est à 10 points, 7 rebonds et passes pour le pivot de Détroit. Hein, une équipe d'Oklahoma hein, qui est devant mais qui a un pourcentage au shoot assez faible hein, vu qu'on a regardé un peu les statistiques globales de ces deux équipes déjà une équipe de Détroit très très mauvaise au tir à longue distance qui sont au tir à 3 points Mopao. Yeah. Les Pistons de 3 qui sont à 1 sur 17 à 3 points. Oh wow. À 3 points, c'est catastrophique pour cette équipe des Détroit. Les Oklahoma est à 7 sur 20 à 3 points. Globalement, au niveau du pourcentage, ils ont amélioré. Ils étaient à moins de 40% en première mi-temps. Là, ils sont à 42% pour l'équipe des 3 et 46% pour Oklahoma City. Donc, on va dire que ils tendent beaucoup plus à mi-distance, on va dire ça comme ça, mi-distance et à l'intérieur quoi. Parfois même les gars là quand ils sont à la NBA là, ils disent souvent tu vois tu es c'est pas mon gars tu vois là c'est les gars pas tout le monde parce que gars comme je dis je tiens un truc hein. C'est que parfois, ceux qui n'ont pas pratiqué un sport, qui sont juste des fans, tu vois un peu, non? Soit pratiquer un sport, ce n'est pas juste. Tu vois, tu peux être un fan qui aime un sport, tu te retrouves dans un terrain, tu commences à bonbonner, ce n'est pas pratiquer un sport. Quand on parle de pratique, ça veut dire que tu as pratiqué à une certaine échelle. Quand tu as eu la capacité de pouvoir te frotter à la compétition, vivre un certain. Tu vois un peu, non? Dans le sport, déjà, jouer le sport qui a une certaine gestion. Il y a un niveau qui ne manque pas. Quand tu vois les gars qui ratent cette chine, c'est bien, vous pas la forme, mais ça montre qu'il n'y a pas du boulot, qu'il y a. Oui. C'est pas parce que quelqu'un pro que ça veut dire qu'il s'entraîne chaque jour comme il s'entraînait avant. Hein. Tu sans doute sans oublier quand tu tapais la machine avant, quand tu commençais dans les logiciels et tout, tu t'appliquais. Mais maintenant, comme tu connais déjà plus, tu es un maître, il y a des moments où tu fais des erreurs sur un logiciel. C'est pas parce que tu ne connais pas, c'est juste que gars. Tu n'appliques plus comme tu t'appliquais avant. Tu es un peu truc, non, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Tu sais que généralement, pour faire la sauce tomate, tu utilises 4 tomates, 2 gousses d'oignon, 2 gousses d'eau d'ail, tu es un peu, non, 3 cubes, un truc. Mais un autre jour, tu te lèves, tu décides de mettre un cube. C'est plus la même chose, en fait. Tu es un peu, non vrai, donc, quand tu vas servir le dîner, ça ne sert plus la même chose. C'est ça. Quand tu vois des gars qui se retrouvent en train de faire, tu as dit quoi? C'est quoi 2 tirs, 24 tirs pour 2. Ils ont pris 24, ils ont dit marqué 2, c'est ça. Ils sont à, les Pistons de 3 sont à 1 sur 17 à 3 points. 1 sur 17, 7 sur 20 pour OKC. 7 tirs réussis sur 20 pour OKC, oui. Oui. À 3 points, c'est vraiment la catastrophe sur ce match. Par contre, ils ont la majorité de leur panier, c'est à l'intérieur. Donc 48 points marqués à l'intérieur pour les Pistons de 3, 52 points à l'intérieur. Pour Oklahoma City, hein, ça c'est les points point in the paint, on va dire ça comme ça, et les tirs à mi-distance, au niveau des tirs à mi-distance, ils sont à combien? Ils sont à 43,2% contre 47%, les pistons de Détroit sont à 43,2% contre 48,6% pour Oklahoma City. Donc on va dire que c'est un match où ça se joue vraiment soit en pénétration, soit sur les tirs à mi-distance, soit sur la bataille au rebond, quoi. Hein, c'est un peu ça. Ouais, c'est généralement, on appelle ça le transfert. Yeah. Tu sais aussi, parfois, une équipe peut se retrouver à faire un mauvais pourcentage au tir. Mais si Ross l'a fait, tu vois un peu, non? Et les petits pieds, les petits points comme plonger au full, déjà,
le ballon roule, tu te plonges, tu poursuis, tu hustles le gars. Ça aide à compenser parce que forcément, c'est pas toujours le tir à trois qui fait gagner un match. Hein. C'est vrai, on l'a compris très vite avec l'exploit des Cavs sur les Warriors. Tu as tout compris, Willy Balletoy, Yuda Balletoy. C'est vrai qu'ils ont été effrayants tout au long de la saison, mais une fois arrivés, on va dire quoi, devant la vérité du terrain, on va dire ça comme ça, les choses se sont plutôt très très mal placées pour cette équipe qui a donc perdu le titre. Alors, ils ont perdu leur titre, on va dire ça comme ça. Donc c'était assez paradoxal, assez choquant, pour ne pas dire choquant. Du côté de Miami, on parlait des Grizzlies contre le Heat de Miami. Le score est plutôt serré, 92 pour les Memphis de Grizzlies contre 91 pour le Heat de Miami. Donc à ce jour, il est pratiquement très très compliqué de dire qui sera vainqueur de ce match. Mais on le mot pour vous a donné un peu son avis sur ce match. Il voit bien le Heat. Pourquoi pas le Heat? C'est ce que tu avais dit, hein, tu vois bien le Heat à domicile. Yep, le Heat à domicile. Tu vois, je prends toujours les statistiques en version de un match, donc c'est un peu ça. Je vois là le Heat. Alors au niveau des tirs, au niveau des stats globales de ce match, on va dire quoi? On va dire que. Au niveau des stats, ils sont aussi très très maladroits au shoot. Au shoot à mi-distance, on va dire comme ça. Le pourcentage de réussite au shoot est à 50% au niveau des deux équipes, donc ça shoot plutôt bien. À 3 points, ils sont à 30,0 pour Memphis et 37% à 3 points pour le Heat de Miami. Au niveau des rebonds, ils ont pratiquement le même nombre de rebonds avec 32 rebonds pour Memphis contre 32 rebonds. Oui, voilà, 32 rebonds pour Miami. C'est un match plutôt serré, très très serré. Hein, on va donner donc une petite pièce sur le cas du Heat de Miami, vu que le match se joue à domicile à Miami. Moi, j'avais vu que je pensais mettre une petite pièce sur les Grizzlies de Memphis. Voilà, donc, on va voir ce que ça va donner pour la suite. Alors, pendant que les scores évoluent, hein, 98 pour Oklahoma City, 84 pour les Pistons de Détroit. Il reste 2 minutes à jouer, mon Pao. Les Pistons qui tiennent le bon bout pour remporter ce match. Tu as mis une pièce sur eux, d'ailleurs. Ils sont en train de gagner ce match. Hein. D'ailleurs, je vois Victor Oladipo qui tente un shoot très difficile au corner à 3 points. Il retombe par terre là. Une équipe d'Oklahoma City, hein, qui a bien l'intention de tout faire pour gagner ce match. Hein. On se Westbrook toujours de plus belle avec les pénétrations dont il a le secret. Toujours en force, toujours en puissance, toujours en énergie. J'ai trouvé un petit là qui joue net comme lui là en NCAA, un freshman là du côté de Michigan State. Ouais, c'est un petit là. Ce gars me fait penser. Ce gars, dès qu'il a une ouverture, dès qu'il y a l'anneau sur le temps, ce n'est pas la blague. Là, le jeu, il est énergétique comme Russell Westbrook, il a l'envie de gagner. J'espère qu'il sera adapté. Moi, je pense qu'il va être adapté au top 10. C'est un petit s'il continue à la lui là. Michigan State, yeah, c'est un freshman. Je vais te montrer, yeah, c'est un très bon petit. Mais il me rappelle Russell Westbrook hier. En plus, il est plus grand. Ce gars est vraiment athlétique. Il est assez athlétique, le petit. Tu m'enverras son lien. On va regarder un peu ça. Ouais, c'est un petit très très athlétique, le petit. Lui, il fait des merveilles.
Alors, le match d'Oklahoma City contre les Pistons de Détroit qui est en train de tirer vers sa fin. Donc, on va donc suivre la fin de ce match. Il s'appelle Miles Bridge. Bridge, hein? Yeah, Miles Bridge, ouais. C'est un arrière. Ah, on va dire qu'il joue, il peut jouer 4, il est mieux, il est combo, il est multipoisson, ouais. Il varie. C'est quelle école, c'est quelle université? Michigan State. Michigan State. Yeah. C'est un très bon petit. Il me rappelle Russell Westbrook, ce petit. Vu la violence avec laquelle le petit attaque l'anneau. Le petit, ça c'est un petit qui... Il fait mal. Ouais, alors, ouais. Une info que ESPN nous donne là, comme ça en live, hein, c'est ça qui fait partie du sel, du, on va dire du côté positif, on va dire comme ça, le côté positif de cette interaction, de ce match en direct pendant cette soirée NBA. Le ESPN qui nous dit que les Spurs sont la cinquième équipe dans toute l'histoire de la NBA à débuter une saison avec 10 victoires à l'extérieur. 10 victoires à l'extérieur, donc... Voilà une petite info que nous donne comme ça les ESPN. Et que la seule équipe à avoir réalisé cela et à ne pas avoir emporté le titre NBA, ce sont les Warriors. Pour l'année dernière. Donc les Spurs qui sont la cinquième équipe de l'histoire de l'NBA à démarrer avec 10 victoires et 0 défaites à l'extérieur. Ça, c'est la stat de ESPN pour ce soir. Alors, le match se termine, hein, il est en train de se terminer. Du côté d'Oklahoma City, Mopao, hein, avec le Thunders qui sont à 99 contre 86 pour les Pistons de Détroit. Et du côté de Miami, hein, le match aussi est en train de se terminer là, de ce côté-là. Le Miami Heat est à 96 hein, contre 99 pour le Grizzlies de Memphis. Il reste 4 minutes à jouer dans ce match. Hein. Le Miami Heat qui est mené au score de moins de 4 points. Donc 3 points d'écart sur ce match entre le Heat de Miami et les Grizzlies de Memphis. 99 pour Memphis, 96 pour Miami Heat, Mopao. C'est serré, hein. C'est serré, c'est difficile de voir qui va remporter ce game, Mopao. Qui est le match de Miami? Miami, Miami Grizzlies. Miami Memphis. Ça se joue à Miami, hein, comme je l'avais dit. Ouais. Donc le match qui est en train de se terminer, il reste 48 secondes, les spectateurs. Du côté d'Oklahoma City, j'entends bien, je parle du côté d'Oklahoma City. Je vois Anthony Morrow qui a terminé le match avec 21 points. Anthony Morrow, 8 sur 12 au tir, 3 sur 6 à 3 points. Anthony Morrow, du côté d'Oklahoma City, qui fait partie des joueurs majeurs qui ont porté cette équipe d'Oklahoma City pour garder cette avance face aux Pistons de Détroit. Le match est en train de se terminer, il reste 39 secondes à jouer. Les Pistons de Détroit qui ont la balle, ils essayent de marquer en pénétration, ils mettent dedans. 88 au score pour les Pistons de Détroit, 104 pour Oklahoma City. Le match est en train de se terminer. Le Thunder qui est en train de gagner du temps, ils sont en train de manger le chrono. Il reste 19 secondes à jouer. Anthony Morrow qui a la balle, qui pénètre, qui score. Donc Oklahoma City qui est vraisemblablement en train de gagner ce match. Il reste 10 secondes à jouer. Les Pistons de Détroit qui arrêtent d'attaquer l'anneau, ils attendent la fin du chrono. Victoire d'Oklahoma City ce soir. Victoire d'Oklahoma City sur un score de 106 à 88, le FAO. Ah, ça, c'est prévisible. Un match prévisible.
tu sais quand même qu'une équipe comme Oklahoma, qui peut recevoir vous quand même, un bring sur la table. Il y a des stats qu'il pourra faire, donc qui peut les aider à gagner certains matchs, tu vois un peu, non? Mais il y a des stats dont il faudra qu'il apporte un peu plus. Qui s'améliore, non? Oui. Pas qu'il s'améliore, que d'autres personnes apportent aussi un peu sur la table. Parce qu'en fait, à la finalité, c'est. Comme je dis, pourra scorer 60 points, mais s'il n'y a pas cet apport de la Dipo, d'autres personnes à part, tu vois un peu, non? Mm-hmm. C'est pas trop ça. Quand tu regardes le clash, les jours ils ont joué. Golden State Warriors, tu vois un peu le truc, non? Oui. Et. Après avoir joué, quand ils étaient en train de jouer Golden State Warriors, tu as vu comment Golden State Warriors, tout le monde s'est rallié pour donner la victoire à Kevin Durant. Oui. Et tu vois, il y avait Oladipo qui avait le répondant ce jour-là. Donc. Et quand tu regardes la série de défaites qu'ils ont eues, tu peux voir qu'il n'y a pas une consistance en fait, de l'équipe. Tu vois un peu, non? Oui. Russell Westbrook continue à être lui-même. Tu vas faire 38 points, 40 points. Il faut autant de triple-double. Mais s'il n'a pas d'aide, ah, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Mais ce soir, il a été bien aidé par Anthony Morrow. Anthony Morrow qui a terminé meilleur scoreur de ce match avec 21 points. 21 points pour l'arrière d'Oklahoma City. Donc, on va rentrer dans le box score pour avoir une meilleure visibilité au niveau des stats. Alors, je disais Anthony Morrow. Alors Anthony Morrow, où est-ce qu'il est alors j'étais en train de chercher sa stat pour Anthony Morrow. Alors Anthony Morrow, il a terminé le match avec 21 points, un rebond, une passe décisive pour l'arrière d'Oklahoma City. Donc il s'est focus sur le scoring, hein. Il a terminé le match avec 21 points. Anthony Morrow. Donc je voulais parler aussi du triple double, nouveau triple double réalisé par Russell Westbrook. Donc Russell Westbrook qui est à 17 points, 15 passes décisives, 13 rebonds et une interception et un contre pour le meneur d'Oklahoma City. Le match donc s'est terminé sur un score de 106 à 88 pour les Pistons de Détroit. On refait le point sur les pourcentages au tir. Les Pistons de Détroit qui ont shooté à 45%. Oklahoma City qui a finalement shooté à 50% grâce à Anthony Morrow. Au niveau des 3 points, très très faible. Hein, les Pistons de Détroit qui ont shooté à 5,3%. Oklahoma City a shooté à 34% à 3 points. Au niveau des pertes de balles, les Pistons de Détroit qui ont perdu 9 ballons contre 11 ballons pour Oklahoma City. Au niveau du rebond, les Pistons ont 32 rebonds contre 43 rebonds pour Oklahoma City. Donc on va dire que le jeu intérieur a été à l'avantage d'OKC sur ce match. Mais une adresse à mi-distance digne d'une équipe de Marseille en Ligue 1. Hein. Je compare pas le basket et le foot, mais je parle surtout en termes de catastrophisme au niveau des résultats attendus. Hein. C'est assez triste de voir cette statistique. 1 sur 19 à 3 points pour les Pistons de Détroit. Mopao, 1 sur 19 à 3 points contre 8 sur 23 à 3 points pour Oklahoma City. Donc le match ne s'est clairement pas joué. Ils ont décidé de mettre la ligne à 3 points de côté ce soir. C'est assez triste à voir. C'est assez triste à voir. Mais bon, on va dire quoi? Que l'essentiel, c'est... Qu'est-ce qu'on va dire, mon pauvre? Que l'essentiel, c'est les points. Est-ce qu'on va qualifier vraiment... C'est la victoire. Oui, est-ce que c'est vraiment... Tu vois, au niveau... C'est pas triste, hein. Tu vois, ce que je dis parfois, c'est... C'est difficile parce que, hein, j'aimerais un jour que tu te retrouves dans le cadre, que tu rencontres en train de voir ce gars faire la fête après le match, qui est perdu ou gagné ou pas. Tu vois, quand on parle même de tristesse, c'est pas trop, parce qu'en fait, dans la tête des gars, c'est pas trop ça, hein. Ils sont pas. Moi, mon problème, c'est. Ouais, ils sont pas trop. C'est pas trop ça, quoi, comme tu penses, là. C'est nous qui nous inquiétons aussi, là. À la fin de la journée, gars, quand ce gars, voilà, là.
Donc oui, gagner ou pas, il n'y a pas à être stressé dessus. Hein. Si les bouteilles de champagne doivent s'ouvrir, vous y embêtez ça souvent. C'est vrai, ce qui se passe, c'est nanani nanana comme cela. Et... Bref, moi, je ne vois pas être stressé à la fin. C'est, ouais. c'est juste déplorable que bon, tu arrives à un niveau, un sport où tu pratiques avec, que tu pratiquais avec passion et la passion n'y est plus. Quand la passion n'y est plus, il n'y a plus ça. Toi, tu vois, des équipes qui ne remplissent pas le gymnase à cause de la passion est partie. Hein. Quand la passion part, il n'y a plus ça, c'est ça, quoi. C'est vrai. Alors, le match qui. Il y a un match hein, qui doit se jouer après, bien entendu, la rencontre du Heat contre le Memphis Grizzlies. Ce sera le dernier match de la soirée. On va donner seulement les spectateurs vont avoir le score en différé. Ouais, c'est clair qu'on va pas. On est pratiquement arrivé à la fin du show. On va pas pouvoir commenter ce match pour le direct. Mais je voulais juste préciser pour information, Mopao. Je voulais préciser que Draymond Green ne jouera pas ce match. Hein. Il s'est blessé, il a eu un petit souci à la cheville lors du dernier match contre les Lakers. Donc il sera au banc. Hein. Bon, on va dire quoi, que ça, il va pas trop leur manquer. Il va pas vraiment le manquer. Hein, ça ne changera rien. Mm-hmm. Ouais, son absence, ce n'est pas ami. Tu vois, quand tu as un gars comme Kevin Durant qui peut remplacer Steph Curry au niveau du Je te coupe pas, hein, mais ESPN qui nous dit, hein, suite à ce que on est en train de parler de Draymond Green et d'une possible victoire ou de défaite. Alors ESPN nous dit que les Warriors ont perdu leurs deux derniers matchs quand Draymond Green n'était pas là. C'était pendant le Game 5. Le Game 5 contre les Cavaliers en finale NBA et le 13 janvier en saison de la le 13 janvier contre les Denver de Nuggets voilà. Donc ils estiment que il y aurait de fortes chances qu'ils puissent perdre ce match contre les Timberwolves si on suit leur raisonnement, quoi. Ah, tu sais que chacun a tout son raisonnement, mais la finalité c'est quoi? Ah mais c'est vrai, on suit la logique, non, mais après ça, qu'est-ce que tu suis après, quoi? Donc il y a l'expert NBA Chris Haynes qui nous donne plus d'informations sur la santé de Draymond Green, hein, donc ça c'est l'information qui vient de sortir. Donc Draymond Green qui a passé une analyse une analyse, c'est la radio. Il a passé une radio sur sa cheville gauche et le résultat était négatif, hein. Donc résultat négatif, donc apparemment c'est assez chaud pour Draymond Green, hein, qui va donc rester absent ce soir contre les Timberwolves. Il ne sera pas sur le parquet. Donc les Warriors qui ont décidé de le garder au repos pour plus de précautions, on va dire ça comme ça. Donc Draymond Green qui sera absent tout à l'heure pour le match contre les Timberwolves. On n'a pas besoin de lui. Tu dis qu'ils n'ont pas besoin de lui. Hein. Ouais. Ils vont gagner sans lui. Ils vont largement gagner sans lui. Allez, on va. On était en train de terminer avec le match des Grizzlies. Hein, les Grizzlies contre le Heat de Miami. Le match qui se joue à Miami. On rappelle le score 108 pour le Memphis Grizzlies, 102 pour le Heat de Miami. Il reste une minute à jouer sur ce quatrième quart-temps, Mopao. Le Heat qui est devant au score 108 pour 102 pour le Heat de Miami. Hein. Donc un match qui joue serré. Un match serré. On espère que le Heat va pouvoir gagner cette rencontre, hein, Mopao. Même si ça va être un peu chaud. Les Grizzlies sont devant avec un excellent Marc Gasol. Marc Gasol qui tourne à 28.3 rebonds, 6 passes sur ce match. Dion Waiters est à 23.5 rebonds, 6 passes.
pour l'arrière du Heat. Alors au niveau des stats globales, hein, les deux équipes qui ont chuté plutôt bien, hein, le Memphis a chuté à 52% contre Miami qui a chuté à 49,4%. À 3 points, les deux équipes ont sensiblement le même pourcentage. 37% pour les Grizzlies contre 35% pour le Heat de Miami. Donc le match est plutôt serré, hein, à ce niveau. Ça va être compliqué de savoir qui va gagner ce match. Ah, on saura. Mmh. On saura une chose ensuite, que l'horloge s'arrête. Ouais. Donc là, il reste 1 minute 22 à jouer. C'est le temps mort. Hein. 108 pour les Grizzlies, 102 pour le Heat de 101 pour le Heat de Miami. Alors, qui va gagner ce match? On aura l'information tout à l'heure. Alors, pendant qu'on est en train d'attendre la suite, on va rapidement donner les résultats des matchs de la nuit dernière et on terminera la soirée bien entendu avec quelques news. Il y aura deux news qu'on va diffuser sur cette fin de talk show pour ce soir. On va donc rappeler les scores des matchs de la nuit dernière, hein. On va aller rapidement dessus. Alors les Kings de Sacramento qui ont joué contre les Houston Rockets, hein, les Houston Rockets qui ont battu les Kings de Sacramento la nuit dernière avec un James Harden en mode triple-double, 23 points, 10 rebonds et 10 passes décisives pour The Bird du côté de Houston. The Bird, man. Ouais, ensuite, on va parler du Magic d'Orlando contre les Washington de Wizards. Alors, les Wizards ont gagné ce match sur un score de 94 à 91. Un excellent John Wall avec 26 points, 7 rebonds, 10 passes, hein, qui a permis donc aux Wizards de gagner ce match contre le Magic d'Orlando. Le Français Evan Fournier du côté d'Orlando a été limité à 11 points, à 2 sur 9 au tir à 3 points. Ensuite, on va parler des Pacers d'Indiana. Les Pacers d'Indiana qui ont gagné face aux Brooklyn Nets. Ça fait plaisir. Une équipe qui a eu beaucoup de mal, hein, en tout début de saison. Les Pacers d'Indiana, ils ont gagné. Ils ont battu les Nets sur un score de 118 à 97. Donc, on rappelle que Paul George était absent sur ce match. Hein, il n'a pas joué ce match. Hein. Mais les Pacers ont pu compter sur 6 joueurs avec au moins 11 points. Donc c'était plutôt intéressant pour eux. Une belle victoire pour les Pacers. Ensuite, on a les Suns de Phoenix qui ont joué contre le Minnesota. Hein, le Minnesota ont battu les Suns. C'est donc Karl Anthony Towns contre Devin Booker. Avec un Andre Wiggins avec 25 points. Et Kat qui était à 22 points, 10 rebonds sur cette victoire face aux Suns. On a parlé des Warriors contre les Lakers. Les Lakers qui ont encore perdu une fois de plus face aux Warriors sur un score de 109 à 85. Les Warriors qui n'ont pas forcé leur talent, même s'il y a eu beaucoup de pertes de balles. 29 points, 6 rebonds, 9 passes pour Kevin Durant, 24 points pour Stephen Curry et 18 points pour Klay Thompson. 18 points et 7 rebonds pour Klay Thompson. Ensuite, on a eu les Blazers contre les Pelicans. Les Pelicans qui ont perdu ce match contre les Pelicans qui ont perdu ce match face aux Blazers sur un score de 119 à 104 avec un excellent Damian Lillard, 27 points, 11 passes pour le meneur et CJ McCollum, 24 points pour le duo. Pour CJ McCollum, donc le duo des Blazers, c'est ça que je voulais dire. Qui c'est donc qui s'est bien exprimé. Anthony Davis du côté des Pelicans a fini le match avec 31 points, 13 rebonds et 5 contre. Donc Oklahoma City contre les Denver de Nuggets, c'est OKC qui a gagné ce match. On l'avait dit en début d'émission avec un Russell Westbrook à 18 passes décisives, 12 rebonds et 36 points. Donc 36 points, 18 passes et 12 rebonds pour le Marsupilami. Marsupilami, ouais, c'est le surnom que je lui donnais. Marsupilami d'Oklahoma City. Ensuite, on a eu le Miami contre les Grizzlies de Memphis.
victoire du Miami face au Grizzlies sur un score de 90-81. Donc, et ensuite on a eu les Hawks contre les Jazz. Alors le Jazz a battu les Hawks sur un score de 95-68 pour le Jazz, qui a vraiment donné une vraie correction aux Hawks d'Atlanta. C'est assez surprenant de voir ce résultat. Et les Raptors de Toronto qui ont battu les Bucks, hein, les Raptors de Toronto qui ont battu les Bucks la nuit dernière, avec DeMar DeRozan à 26 points, 7 rebonds, 4 passes décisives. Et ils ont battu les Bucks sur un score de 105-99. Ensuite, on a parlé bien entendu de la victoire des Bulls sur les Sixers sur la nuit dernière sur un score de 105-89. On rappelle que Joel Embiid n'a pas joué ce match. Dwayne Wade a fini le match avec 26 points, 5 rebonds et 2 passes. Et enfin, on a eu les Cavs qui ont marché sur Dallas. Hein. Ce n'est pas étonnant. Hein. Tout le monde marche sur Dallas. Je crois que même si on forme une équipe, hein, mon frère, on peut gagner face à Dallas. Là, tu veux la blasphémer, mon frère. Dallas qui a le pire saison de leur pire début de saison depuis la saison 95. Hein. Les Mavericks qui ont beaucoup de mal en ce début de saison, dont les Cavs qui ont marché sur eux. C'est un score de 128-90 pour les Cavs. LeBron James, 19 points, 5 rebonds, 11 passes décisives, qui a joué son millième match. Le millième match de la carrière de LeBron James contre les Mavericks de Dallas. Et ensuite, on a eu les Pistons contre les Clippers. Alors ça, c'est un match où j'attendais la victoire des Clippers. J'attendais qu'ils engrangent leur 15e victoire de suite. Mais ça n'a pas été le cas. Les Pistons qui ont battu les Clippers la nuit dernière sur un score de 108-97. Donc les Clippers qui n'ont pas gagné ce match. Et on va terminer avec ce résultat. Les Spurs contre les Boston Celtics de Boston. C'est une victoire logique des Spurs. Un score de 109-103. Donc voilà pour les résultats des matchs de la nuit dernière. On va revenir sur l'actualité. On reparle du match. Voilà les Grizzlies qui ont battu le Heat de Miami. Hein, mon père, nos prévisions, ils ont refusé de gagner la pièce qu'on leur a tendue, le Heat de Miami ce soir, mon père. Ça veut dire que si quelqu'un partait jouer le flipper, tu vas gagner. Les Grizzlies de Memphis qui ont gagné sur un score de 110-107. Donc 110 pour les Memphis, 107 pour le Heat de Miami. Le meilleur joueur de ce match, c'est donc clairement Marc Gasol. Marc Gasol qui a terminé le match avec 28 points, 3 rebonds, 6 passes décisives. Et de l'autre côté, Dion Waiters a terminé le game avec 28 points, 5 rebonds et 6 passes décisives pour l'arrière de Miami. Les deux équipes, on l'a dit, hein, qui ont chuté plutôt aujourd'hui un pourcentage plutôt assez proche. 50% au tir pour Memphis contre 49% pour le Heat de Miami. À 3 points, c'était plutôt faible. Faible et stable, on va dire ça comme ça, avec 36% pour Memphis contre 35% pour le Miami Heat. 10 ballons perdus du côté de Miami, hein, contre 6 ballons perdus du côté du Memphis. Donc voilà un match dominé. Les Memphis Grizzlies qui ont donc battu le Heat de Miami. Sur ce game, ils les ont battus chez eux, on va dire ça comme ça. Donc voilà pour les matchs sur lesquels on a donc fait le point sur ce premier épisode de votre Saturday NBA Live Show. Ah, mon pao, c'est pas mal pour cette première. Yeah, c'est pas... On a essayé de faire mieux, comme d'habitude, on fait ce qu'on peut, on se lâche, et comme on a dit, c'est la radio Freedom, c'est free, mais on a... Voilà. C'est no stress, quoi. C'est... Voilà, on fait ce qu'on peut, on est relax, on essaie, hein. On essaie de faire tout, hein. Oui, et puis, moi j'aime bien cette formule, hein, puisque c'est une formule qui te permet de faire l'émission sans avoir... Tu as ta ligne directrice, c'est-à-dire que tu as les éléments clés sur lesquels tu dois parler.
mais ça te permet de rester vraiment au plus près de l'actualité vu que tu donnes les résultats, mais en plus tu as les news qui tombent hein, minute après minute, seconde après seconde sur le réseau, quoi. Ouais, vu que tu sais que c'est normalement avec le décalage horaire, à cette heure on a facilement les informations live, quoi. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup plus d'infos en live, donc le prochain match hein, qui va démarrer, c'est les Timberwolves qui vont affronter les Warriors du côté de Golden State. Et bien entendu, on reparlera de ce match et des matchs de dimanche pour le prochain direct. Ce sera mardi pour le match des auditeurs sur le parquet de la radio. On va terminer avec quelques news. Hein, les news on va parler de deux news très importantes sur lesquelles il faut parler. On va parler de la... Tu te souviens du shooter Kevin Martins, mon pao? Ouais, je me rappelle. Son dernier club, c'était les San Antonio Spurs. Hein, Kevin Martins. Ouais, Kevin Martins qui a décidé de prendre sa retraite. Alors, Kevin Martins a décidé de prendre sa retraite. L'info est tombée aujourd'hui. On va rappeler que Kevin Martins était sans club hein, après avoir été laissé libre par les Spurs en fin de saison dernière. Kevin Martins a finalement décidé d'annoncer la fin de sa carrière professionnelle à l'âge de 33 ans. Donc, l'ancienne gâchette des Kings et des Rockets a donc officialisé sa retraite par le biais d'une longue lettre publiée le jour de Thanksgiving dans laquelle il dresse le bilan de ses 12 saisons passées en NBA. Alors, il dit « Merci, 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 il ne pouvait y avoir un jour aussi parfait pour moi. » Pour exprimer ce que je ressens, il y a tellement de manières de faire part de vos projets. D'après carrière, ma famille et mes amis sont au courant depuis le mois de juin de la direction que je veux prendre de ma vie. Honnêtement, il n'y a pas assez de pages ni de jours dans une année pour énumérer tous les gens qui ont eu un impact positif sur ma vie, tous les gamins qui adore le basket, rêve de jouer un jour dans la même ligue que Michael Jordan ou Kobe Bryant, mais je sais que l'espoir que les autres nous donnent, qui peuvent faire que le rêve devienne réalité. C'est grâce à ça que je réalise que je fais partie de cette communauté. Donc voilà pour les déclarations de Kevin Martins, donc le nouveau retraité, qui a décidé d'offrir 100 000 dollars à sa ville natale par le biais de sa fondation, un don qui servira à améliorer le quotidien des jeunes sportifs locaux, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Bref, on rappelle qu'il a été drafté en 26e position par les Kings. Kevin Martins aura connu 5 autres franchises. Donc les Houston Rockets, OKC, Minnesota et enfin les Spurs de San Antonio. Il totalise la saison dernière 17 points, 3 rebonds et 1,9 passes décisives. Petite réaction sur Kevin Martin, ce mot pao. Ah mais pas vraiment, il a juste... C'était un bon shooter aussi. C'était un spa shooter, comme on disait. Genre, tu te places au corner, tu te tapis. Mais il a juste fait ça, il a compris, hein, tu sais, c'est un niveau où quand tu vois, tu te dis que c'est bon, les genoux, ça, tu as roulé ta bourse, c'est bon, mais ce qu'on peut donner, c'est juste remercier les efforts donnés, hein, par la carrière, et ça fait ça, quoi, les efforts escomptés, c'est ce qu'on peut dire. Oui, c'est vrai que ça fait plaisir de voir qu'il a, de toutes les façons, pris le meilleur choix pour lui et sa famille, on va dire ça comme ça. Et la dernière news de ce soir, on va parler du joueur Stanley Johnson. Stanley Johnson qui a été suspendu par les Pistons de Détroit pour des raisons assez obscures, vu qu'ils n'ont pas donné la vraie raison de sa suspension. Il a été suspendu un match, hein, Stanley Johnson. Donc il a accompagné l'équipe ce soir contre Oklahoma City, mais il n'a pas été aligné. Hein, il n'a pas été aligné sur ce match. Stanley Johnson. Alors, le coach Stan Van Gundy a précisé qu'il a été suspendu pour non-règlement intérieur de l'équipe.
Hein, il n'a pas voulu dire pourquoi, mon Pao, mais il semblerait que Stanley Johnson et son coach Stan Van Gundy, ce n'est pas l'amour fou en ce moment. Apparemment, il y a beaucoup de choses à lui reprocher à ce joueur, Stanley Johnson, mon Pao. Généralement. C'est la jeunesse. Généralement, c'est. Les conflits internes se disent par les réseaux sociaux. C'est ça que tu vois, on dit toujours. Règlement interne, parce qu'on ne voit jamais de la vraie raison. J'ai un peu tout une raison. Oui, oui. Souvent, parce que les chaque équipe voit les teams rules, dans Beyond Time, dans Doodies, dans Doodles. En milieu rules, généralement, ne sont pas des trucs très compliqués. Donc, sûrement, forcément, c'est une règle peut-être simple, préliminaire. Donc, quand on rappelle que ce n'est pas la première fois, hein. C'est la seconde fois qu'il est suspendu. Oui, donc, justement, c'est un récidiviste en plus. Donc, justement, c'est ce qu'il a fait, donc je sais pas, c'est un peu ça. Dans le monde du sport, il y a toujours des règles. Il y a toujours des règles, ouais. Ouais. Donc Stanley Johnson qui a été suspendu un seul match, hein, donc il devrait reprendre le terrain des parquets avec son effectif pour les prochains matchs. Allez, on va donc terminer cette soirée. On rappelle les scores. Les Thunders qui a battu les Pistons de Détroit. C'est un score de 106 à 88. Le Memphis Grizzlies qui a battu le Heat à domicile du côté de Miami. C'est un score de 110 à 107. Les Spurs ont battu les Wizards. C'est un score de 112 à 100. Les Hornets ont battu les New York Knicks. C'est un score de 107 à 102. Et le match dont on va voir l'info demain, ce sera les Warriors qui affrontent les Timberwolves du côté du Minnesota. Le match a déjà démarré. Le score est de 7 pour les Warriors, 4 pour les Timberwolves. Donc voilà pour le show de ce soir, les amis. Moi, ça m'a beaucoup plu cette formule de Saturday NBA Live Show sur le parquet de la radio Mopao. C'était sympa. Moi, je l'ai beaucoup apprécié. Et bien entendu, ça m'a fait extrêmement plaisir que tu sois là pour m'accompagner sur le show. Hein, Mopo, toujours présent. Thank you, sir. Moi, comme d'hab, toujours connecté. Toujours connecté, toujours disponible. Fiango Ame, aka Mopo, en direct de la WER. Comme vous le savez, moi, c'est bien Philippe Lélé en direct de Manchester, au Royaume-Uni. On va saluer très chaleureusement les milliers d'auditeurs, les milliers de fans qui nous ont suivis pour ce direct live. Et bien entendu, on salue aussi tous ceux qui vont se connecter après pour écouter le talk show, car on le sait, chacun a ses habitudes. Sur le parquet de la radio off, il y a ceux qui préfèrent écouter nos talk shows le matin avant d'aller au boulot à la pause du midi ou bien le soir après une longue journée de travail. Quoi qu'il en soit, le plus important, c'est de rester connecté sur votre radio préférée, la radio numéro 1. Pour tous les fans à travers le monde, prochain direct live mardi prochain pour le match des auditeurs. Passez un très bon week-end, un très bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Ciao les gars, ciao les amis, ciao mon Pao, merci encore mon frère. Ciao mon homme. Ciao.
C'est bien sûr Radio Off Parquet. La radio qui parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. C'est bien sûr Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. C'est bien sûr Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio.